Il faut que je digère, Gwendal Marie Moutou bouleversée à voir témoigner au procès de Stéphane Métro. Ce sont des blessures qui prendront du temps à cicatriser. Ce lundi 5 décembre. Nos confrères de Libération ont publié une enquête concernant Stéphane Métro, ex-coach de The Voice Kids, qui est accusé de pédocriminalité par plusieurs personnes. Parmi ces victimes présumées figure Gwendal Marie Moutou. Connue pour avoir interprété le rôle de Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion. C'est dur de parler, se voir coller une étiquette et de ne plus avoir sa place dans le métier. Alors je n'ai rien dit. Quand ça s'est passé, j'étais en pleine puberté. Pendant 10 ans. J'ai fait en sorte de ne pas laisser à mon cerveau le temps de réfléchir. C'est ma façon de gérer, d'éviter de me retrouver entre moi et moi, a révélé l'acolyte de Lola Dubini, qui compte bien faire entendre sa voix. Rester dans le silence pendant plus de 10 ans, c'est désormais sans peur que Gwendal Marie Moutou, 27 ans, déclare qu'il a été violé par Stéphane Métro. J'avais 14 ans et demi. J'étais en train de muer, ça s'est reproduit plusieurs fois, a-t-il déclaré. Ciblé par plusieurs accusations d'atteinte sexuelle sur mineurs, Stéphane Métro a fait face à la justice ce mercredi 14 décembre. Une occasion pour Gwendal Marie Moutou de faire part de ses mots face à la cour. Un témoignage éprouvant, selon ses dires. Les amis, je ne vous cache pas que je suis dans une forme de mutisme depuis la journée du procès d'hier. Pas un mot n'arrive parfaitement à qualifier mes pensées tant elles sont éparpillées. Il faut que je digère, a-t-il déclaré sur Instagram. À travers son discours, l'artiste espère donner le courage à d'autres victimes d'abus de faire appel aux autorités compétentes. J'espère que d'autres enfants pourront s'identifier, et qu'ils seront libérés des craintes que j'avais à parler pendant 13 ans, a-t-il ajouté. Un grand pas en avant pour l'artiste.